Les meilleurs bacheliers Session 2013 des séries scientifiques sélectionnées par l'État pour les études universitaires aux États-Unis sont au nombre de 30. Ces étudiants ont été choisis sur la base du nombre de points obtenus à l'examen du BAC et des moyennes trimestrielles de la seconde à la terminale. Ils seront formés dans les filières des hydrocarbures. La formation de ces étudiants est totalement prise en charge par l'État. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara, leur a remis des cartes magnétiques contenant le paiement de leur première bourse, tout en leur assurant que ces cartes magnétiques seront régulièrement alimentées. Cette formation des futurs cadres dans le secteur des hydrocarbures ivoiriens est un projet que le président Alassane Ouattara a décidé de relancer 33 ans après. Ces jeunes boursiers vont dans les universités américaines. Pour, les, pour être des ingénieurs en, en géologie pétrolière, en forage, en réservoir, en raffinage. C'est une génération qui va revenir à un moment où la Côte d'Ivoire aura atteint l'émergence. Cette émergence doit être soutenue par des gens de qualité. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Les bacheliers se disent honorés et s'engagent à travailler pour mériter la confiance de l'État. Nous avons la ferme volonté de participer à l'essor de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La formation va durer trois ans pour certains et cinq ans pour d'autres. Les 30 meilleurs bacheliers section 2013 des séries scientifiques quitteront la Côte d'Ivoire pour les États-Unis les 10 et 11 janvier prochains.